Good morning, everybody. After 8 years of Justin Trudeau, Canadians have never had it so bad, while Liberal insiders have never had it so good. After 8 years of Justin Trudeau, Canadians are hit with 40-year highs in inflation, food inflation, rents have doubled, mortgages have doubled, house prices have doubled across this country. They've increased their carbon tax, and they will triple their failed carbon tax that has done nothing for the environment and only give Canadians more pain. We've seen $15 billion in cushy contracts going to Liberal insiders. That's money that could have went back to Canadians or stayed in their pockets. This government's agenda of taxing as much as they can on Canadians, taking more and more from Canadians, with leaving less in their pocket, is an agenda that's hurting Canadians all across this country. Conservatives will stand up against these tax increases. We've consistently asked for this failed carbon tax to be cancelled, and we will turn that hurt into hope. Thank you. Merci, Jazz. Bonjour tout le monde. Donc, ce matin, nous sommes ici pour parler de la journée, la motion de la journée d'opposition du Parti conservateur. Comme vous avez vu, nous trouvons qu'il est très important de parler de ce qui se passe au Canada actuellement, l'inflation. L'inflation et toute la misère que l'inflation donne aux citoyens canadiens. Et il y a une façon d'aider les Canadiens à avoir moins de problèmes avec l'inflation, c'est de cesser les dépenses inflationnistes comme on a vu dans les dernières années de la part du gouvernement libéral. En fait, ça fait depuis 8 ans que M. Trudeau a complètement perdu le contrôle des finances publiques. Et de notre côté, ce qu'on demande, c'est de reprendre le contrôle de la situation, cesser les dépenses inflationnistes, comme par exemple dans le temps de la COVID. Oui, on a eu besoin d'aide pour passer à travers la COVID, mais on a le directeur parlementaire du budget qui a confirmé qu'il y avait au moins 200 milliards sur les 500 milliards dépensés pendant les 2 ans qui n'avaient rien à voir avec la COVID. On a également le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklean, qui a déclaré que l'inflation au Canada reflète de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur de nos propres frontières. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même le gouverneur de la Banque du Canada confirme que l'inflation est créé par le Canada, même si, oui, il y a de l'inflation à travers le monde, au Canada, on aurait pu en avoir beaucoup moins si on avait mieux géré. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a dit « En réalité, l'inflation actuelle est principalement de nature nationale. » L'ancien premier ministre et ministre des Finances libérales, John Manley, a dit « À cause de l'inflation budgétaire du premier ministre libéral, il est difficile de contenir l'inflation. » Donc, il y a des exemples, des spécialistes, même des libéraux, des anciens libéraux, qui mentionnent clairement que les politiques financières, fiscales, budgétaires du gouvernement libéral sont une catastrophe pour l'économie canadienne. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de soulever ces enjeux-là, parler aussi de solutions, mais surtout de forcer le gouvernement libéral à admettre qu'on a un problème au Canada et qu'on pourrait améliorer les choses. Merci. Vous expliquez, M. Paulus, pourquoi hier les conservateurs ont voté avec le Bloc québécois sur la question de la clause dérogatoire. Expliquez-moi la logique derrière tout ça. Je ne suis pas sûr de comprendre votre position sur la loi 21, la clause dérogatoire, etc. Bien, au niveau des clauses dérogatoires, qu'elles soient en amont ou en aval, je veux dire, elle existe, elle fait partie de la Constitution. Et pour nous, je veux dire, c'est une motion, premièrement, la journée d'opposition du Bloc québécois. Je l'ai mentionné dans mon speech. J'ai dit, on perd notre temps aujourd'hui. C'est en réaction à une déclaration de M. Trudeau à la presse, mais il n'y a personne qui veut ouvrir ce débat-là. Bien, la position, c'est que la clause existe, puis elle est dans la Constitution, puis pour nous, il n'y a pas d'enjeu. Donc, vous allez contester à ce moment-là, parce que M. Poilievre a dit, on va contester la loi 21. En Cour suprême, vous allez la contester sur quelle base? Pas nécessairement. Premièrement, on va attendre de savoir ce qui va se passer avec la Cour suprême, première des choses. Puis deuxièmement, il faut voir, est-ce que l'utilisation d'une clause dérogatoire de façon préventive, comme les provinces le font, est-ce que les conservateurs sont d'accord avec ça? Ben oui. What's your message to people who are impacted negatively by Bill 21, who say that the preemptive use of the notwithstanding clause is trampling on their rights, and that is what is brought in this legislation, and your party just supported it. What do you say to people who are impacted negatively by Bill 21? Look, let me be clear. I have been in the House of Commons when I was first elected, in the first few months of myself being elected, talking against Bill 21. Today, we are talking about the wasteful spending that this Liberal government has been doing after 8 years, driving more and more Canadians into poverty. Say that the notwithstanding clause is why Bill 21 is standing. More money than all governments before them combined. And what that's doing is sending 1.5 million Canadians are going into food banks.
you yesterday voted in favor of a motion that does everything that Stephanie just said. How do you defend that, and how do you explain it to the people who feel affected by Bill 21 in Quebec? Look, I've been clear on my stand on Bill 21. Today's motion is to help and stand with Canadians that are suffering from this 40-year high in inflation. That on Bill 21. This on inflation. Today's motion is very clear, and this is to help support Canadians get through the tough time. You have nothing to say to the people of Quebec about Bill 21. Thank you. On est là pour parler des finances canadiennes. Monsieur Police, vous là, pourquoi vous vous sauvez? On a encore des questions pour vous. Vous voulez pas expliquer votre position?